partager avec mon problème. Le problème qui me met aujourd'hui là face aux médias, c'est parce que ma fille a fait un enfant hydrocéphalé. Et cet enfant-là a été évacué sur Libreville. Sous prétexte de dire que nos structures sanitaires de Port-Gentil n'y a pas de spécialistes pour pouvoir s'occuper de ce nouveau-né. Ils m'ont demandé de faire la lettre au gouverneur. Je me suis adressée à monsieur le gouverneur. J'ai écrit. Monsieur le gouverneur a signé le papier. J'ai pris, on m'a appelé, récupérer le papier du gouverneur, ce qu'il a signé. Je suis allée avec ce même papier, là où on paye les billets, à l'ancien port. On me renvoie sous prétexte de dire que si je n'ai pas un papier de coronavirus, je ne peux pas voyager valable de 5 jours. À ma grande surprise, au niveau de Port-Gentil, il n'y a pas les machines. Au niveau de l'hôpital Ndjenga, il n'y a pas les machines qui dépistent le coronavirus. Maintenant, face à cette situation, la maladie de l'enfant ne fait que prendre de l'ampleur. On fait comment? Entre-temps, même, ils ne font que voyager. Nous, comme nous sommes pauvres là, on ne peut pas voyager. Ce n'est pas l'État qui me prend en charge. C'est mon propre argent que je dépense pour pouvoir sauver la vie de cet enfant-là. Moi, je veux voyager, libérer. Maintenant, les machines là se trouvent où? Il y a les cas de corona à l'hôpital. Maintenant, on détecte les cas de corona qui sont à l'hôpital avec quel genre de machine pour que moi aussi j'aille me faire dépister pour pouvoir voyager. Parce que là, je suis bloquée. Comme au Gabon là, même un vrai problème, on ne s'occupe pas, on s'occupe seulement de leurs problèmes. Donc au Gabon là, rien pour nous. Tout pour les autres. Venez me tuer, j'ai parlé. Donc, moi, je n'ai pas peur de la mort. Moi, je veux la solution de voyager avec mon enfant libéré. C'est moi-même qui paye mon passage. C'est pas le gouvernement qui m'a pris en charge. Libéré. Parce que quand moi, je vais cascader dans les pirogues, vous serez les premiers à dire que, voilà, libéré. Je suis dépassée.